En fait, tu le mets en arrière, il faut absolument. En fait, le muscle droit supérieur est dans la même gaine que le muscle releveur des paupières. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux lui tenir la paupière supérieure, il faut qu'il regarde en bas. Et hop, tu soulèves la paupière supérieure. Alors, au moment où tu soulèves la paupière supérieure, il ne faut pas hésiter à venir appuyer un petit peu sur son arcade sourcilien. Parce qu'il n'y a pas de nerf en fait ici. Le nerf, il est plus vers l'intérieur. Donc en fait, regarde en bas et tu soulèves bien. Tu vois, là, essaye de fermer. Hop, là, il n'y arrive pas. Tu vois, tu vois ce que je veux te dire? Ah, c'est Il n'arrive pas à fermer. Donc là, il va regarder en bas. Vers en haut. Regarde ton nez. Garde bien les deux yeux ouverts. Je pose la lentille de contact sur la conjonctive bulbaire. Regarde-moi. Coucou. Regarde en bas. En bas. Et je relâche doucement. Fais, regarde en bas, en haut, ton nez. Et à tout à l'heure, on l'a posé. Maintenant, on va faire la même manip, mais sauf qu'on va venir la tirer et la décaler sur la conjonctive bulbaire. Et après, venir l'attraper. C'est bon? Donc, ça se passe vraiment en deux temps. Regarde en bas, en haut, ton nez. Tu la décales, premier geste, regarde ton nez. Tu la vas la chercher, deuxième geste. C'est bon?